Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review sur Boruto Naruto Next Generation. Cette fois-ci sur le chapitre du scan, le chapitre 18 qui s'intitule Le bras. Alors je n'ai pas traduit ce chapitre comme vous auriez pu vous en douter ou voir si vous avez Instagram puisque je l'avais signalé. J'ai eu d'autres choses à faire, entre autres pour ma chaîne YouTube, j'ai essayé de changer quelques vignettes de présentation. Du coup, j'ai pas eu le temps de le traduire et j'ai failli le traduire il y a quelques temps, enfin il y a quelques jours, au vu que ça tardait beaucoup beaucoup. Ça fait presque un mois que le chapitre est sorti. Il a dû sortir le 20-22 novembre dernier. Là, on est le 18 aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est le 18. Donc je sais pas si cette vidéo sera publiée aujourd'hui, je vais tout faire pour, mais je verrai. Donc néanmoins très très long à sortir, j'essaierai de traduire le prochain. Néanmoins là pour l'instant je n'ai pas le temps de le traduire, donc à mon avis il sort dans quelques jours, donc pour l'instant je ne sais pas trop si je vais le traduire. Mais en tout cas ils sortent vraiment tardivement en français et c'est bien dommage. Donc le chapitre est sorti le 13 pour être exact en français. Donc j'étais pas là ce week-end, d'ailleurs vous aurez un mini vlog, si je peux appeler ça un vlog, sur mon week-end. Mais c'est pour ça que j'ai pas pu tourner la vidéo plus tôt. Du coup, je n'ai pas lu le chapitre, ne serait-ce que je l'avais regardé toutes les pages dans une autre langue. C'était en coréen, il me semble. Ils sortent en premier en coréen quand on les voit sur internet. Et donc là, je n'ai pas lu le chapitre en français, donc il y a certainement des choses que je vais apprendre. Mais je ne serais pas surpris de voir certains personnages, puisque j'ai déjà vu les personnages qu'il y aurait à voir dans ce chapitre et de plus ou moins de ce qui allait se passer. Donc on commence ce chapitre avec une belle page cover que je trouve vraiment super jolie, avec Sarada, Mitsuki et Boruto. Et en général, les pages cover, je les aime pas trop. Et celle-là, elle est vraiment très très jolie, donc ça c'est déjà un bon point. On commence le chapitre avec Katasuke qui leur indique de les suivre. Boruto a pour mission de transporter un outil. Boruto a pour mission de transporter un outil scientifique ninja. Il parvient à le livrer à destination, mais... voilà, nous sommes arrivés. Le laboratoire de recherche cherche des techniques de pointe. C'est plus petit que je ne l'avais imaginé. La plus grande partie du site se déploie au sous-sol. C'est très vaste à l'intérieur. Ok, ensuite. Soyez le bienvenu, professeur. Je souhaite également la bienvenue aux personnes qui vous accompagnent. Okay. Vous devez être fatigué. Veuillez bien me suivre. Quoi ? Là, il semble être interpellé par quelqu'un. Et je pense savoir c'est qui. Voilà, c'est Sumire qui les interloque. Et donc c'est la première fois que l'on voit Sumire en dehors de l'anime dans le scan à partir de après le film. Parce que je rappelle que il y a eu les nouvelles qui eux parlent de l'anime. Mais Boruto en manga commence à partir du film. Et on n'avait pas encore revu Sumire depuis. Donc là ils l'ont intégré, ce qui fait que ça rejoint un petit peu l'anime, hein. Comme la dernière fois je l'avais dit, il y avait une petite similitude qui parlait du village de Kiri dans le chapitre précédent d'ailleurs, que j'avais bien aimé, donc là ça rejoint l'anime, je suis contente. Donc ils sont tous les trois très surpris de revoir Sumire. Je ne pensais pas te croiser ici, t'as l'air un super fan de Sumire. J'ai un petit présentation du personnage, donc Sumire Kagai, camarade de classe de Boruto quand il était à l'académie, surnommé délégué. Toi aussi, j'ignorais que c'était ton équipe qui viendrait du village Boruto. Je suis surprise. C'est vrai que tu ne voulais pas passer l'examen des ninjas de moyenne classe, mais intégrer l'unité de recherche. Ok, donc c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu. Dans la partie film, puisque Sumire n'y était pas, c'est juste qu'elle n'avait pas envie d'y participer tout simplement et qu'elle a préféré aller dans l'unité de recherche. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'elle dans notre unité. Bonjour professeur, vous étiez déjà arrivé? Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un nouveau personnage visiblement.
Ok, ils sont mignons, ils ont l'air plein d'énergie. Et donc, ce personnage, c'est Akita Inuzuka, unité des outils scientifiques, département de recherche et développement assistante Katasuki. D'accord, donc on ne sait pas si c'est. Parce que je ne me rappelle plus trop du nom de la femme de Kiba, mais c'est quelqu'un de son clan, en tout cas, vu que c'est une Inuzuka. Donc, à voir, peut-être qu'on saura si c'est la femme de Kiba, mais il me semble qu'elle n'avait pas de lunettes et le personnage que l'on voit là a des lunettes, donc ça se trouve, ce n'est pas elle. Bonjour Inuzuka, c'est la nouvelle prothèse que tu attendais. Waouh, les unités des tests sont dans le rouleau à l'intérieur. C'est notre nouveauté, professeur, je suis trop content, j'ai tellement hâte de la découvrir. Personnage qui me fait penser à Karine personnellement avec les lunettes et sa façon de réagir. Le professeur Katasuke est très respecté, je ne l'aurais pas cru. C'était bien un système de matériel du système nerveux artificiel que tu m'as conseillé, je le savais. Mais il y a petit temps de retard dans la réaction. On peut encore améliorer le détecteur de chakra. Ah, je vois. Ok, le détecteur de chakra, tu parles, il fait son crâneur. Donc ça c'est la réflexion de Boruto, hein, je pense que vous aurez compris. Bon, notre mission est terminée, on va rentrer, Sumire. Hein, tu veux rentrer dans... Mais votre mission commence maintenant, non? D'accord. Donc visiblement, ils sont pas au courant, ils vont avoir une mission à l'intérieur de l'unité. L'arnaque. Notre mission n'était pas d'assurer la sécurité durant le transport. On ne m'a pas dit qu'il fallait participer au test d'un outil ninja. Tu as quitté le bureau du Hokage sans écouter l'ordre de mission jusqu'à la fin. Tu es là, suis-le jusqu'au bout. C'est l'une de tes camarades qui te demande. En plus, ça a l'air marrant. Non. Donc en fait, ils sont en train de remplir leur mission, qui semblerait être une mission où il faut qu'ils testent encore une fois un outil ninja. Les outils qui sont vraiment très 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 utilisés dans Boruto, c'est la nouvelle technologie et ils utilisent plus d'outils ninja que leur propre performance, ce que je trouve un peu dommage, mais visiblement c'est le thème de Boruto, le thème de l'histoire principale. Écoute Sarada, tu peux utiliser comme tu le souhaites la chose que je t'ai remise tout à l'heure. On compte sur toi. D'accord, donc c'est Sarada qui aurait l'outil ninja et elle serait elle seule contre Boruto et Mitsuki ensemble. T'es sûr, on va t'attaquer pour de bon. Oui, je vous attends de pied ferme. Qui? Quoi? Donc ça, j'avais plus ou moins compris qu'ils allaient faire un combat, mais je savais pas que Sarada aurait eu l'outil ninja et pas Boruto ni Mitsuki. Donc le combat commence avec Boruto qui se jette sur Sarada avec son point du haki. Et Sarada qui esquive, elle esquive encore et elle réesquive. Ensuite, elle lui fait un espèce de tacle. Et Boruto échappe au tacle de Sarada et Mitsuki arrive pour défendre Boruto et arrive à intercepter Sarada avec ses bras qui s'allongent, Sarada qui s'en sort et puis Boruto qui essaye de l'attaquer avec son poing cette fois-ci. Ne m'en veux pas, Sarada, on a gagné. Mais Sarada qui visiblement utilise l'outil ninja qui lui a été confié et qui fait une espèce de fumée ou un katon, je ne sais pas trop ce qui a marqué, il n'y a pas d'autre indication. Et c'était quoi? Il y a eu un bruit et de la lumière. Je ne sens plus rien, donc en fait c'était simplement de la lumière. Désolé garçon, j'ai gagné. Allez, c'est terminé. Que dites-vous de la puissance de la bombe? De la bombe fumigène à étincelles, cet outil scientifique ninja paralyse les sens avec son bruit assourdissant et sa lumière aveuglante. C'est efficace, ça a bloqué mes capteurs infrarouges et ma capacité d'entendre des infractions. Ça, c'est Mitsuki qui parle. Ça peut servir lors des combats, mais il faut prévenir ses coéquipiers avant de l'utiliser. C'est quoi ça? C'est pas loyal. Loyal. Ok, on va passer à la pièce suivante. C'est pas vrai, j'ai l'impression d'être un vrai cobaye. C'est quoi maintenant? Vous êtes prêts? J'y vais. Donc là, ils se retrouvent dans une autre salle, visiblement. Et donc, ce serait Sarada qui aurait gagné grâce à l'outil ninja.
Bouton enclenché. Qu'est-ce qui se passe? Je demande toutes les trois qu'est-ce qui se passe en fait. Mais je n'ai plus de voix. Non, ce n'est. On n'entend plus aucun son. Ok, donc visiblement, Sarada a essayé de parler et Boruto ne l'entend pas. Et Mitsuki non plus. C'est amusant, n'est-ce pas? Ce système efface tous les sons. On l'a baptisé Shijuma. En émettant des ondes spécifiques en phase, on efface tous les sons. Effacer les vagues par les vagues, c'est la théorie inverse de la résonance. Impressionnant. Avec ça, ce serait facile de glisser en territoire ennemi. Mais l'appareil est très imposant et comme il efface tous les sons, on n'en aura pas beaucoup l'usage pour l'instant. Bon, passer au suivant. Ok, donc en fait, ils sont vraiment venus là juste pour tester des outils ninja. Ça n'enchante guère Boruto. Vu qu'il nous avait dit que Boruto, enfin son père lui avait expliqué que les outils ninja c'était bien, ça pouvait servir. Mais que quand c'était pas autorisé, fallait utiliser ses vraies capacités. Mais ça, Boruto ne l'a pas compris. Et donc il a pas trop envie de faire toutes les épreuves qui lui disent de faire. C'est le principe du lézard qui se colle au mur. Ces bottes et ces gants constituent des applications de principe de force de Van der Waals. Amusant, n'est-ce pas? La liaison des macromolécules dites, vous sous-estimez les ninjas, on peut facilement marcher sur les murs grâce à nos chakras. C'est pas mal ces trucs, on n'a pas besoin d'utiliser le chakra pour marcher sur les murs, ça fatigue moins. On pourra davantage se concentrer sur les combats. Boruto, visiblement, qui est très sceptique et que Mitsuki, lui, a l'air d'apprécier. Boruto qui teste à son tour. Ouais. En fait, il fait comme s'il marchait sur les murs et il se sert pas des gants, des mains, mais il se sert des bottes qu'il a. Tiens, tiens. Tiens, tiens, on dirait que ça commence à t'amuser un peu. Ouais, non, pas du tout. Ah là là, c'est Boruto. Ouais, c'est dingue, je suis en train de voler. Ok, donc là, visiblement, il s'est mis sur un autre outil ninja qui est censé planer. Donc ça fait un petit peu comme si il volait. C'est dingue! Il a l'air de s'éclater. Ok. Boruto, visiblement, qui s'y est fait. Mais qui dégringole vite, puisque l'engin, il perd le contrôle, visiblement, de l'engin. Boruto, oh là là, ce n'est pas encore ça au niveau de contrôle. Il vaut mieux installer un stabilisateur. Les pauvres, en fait, c'est un peu, ils sont à peu près comme pour des cobayes, j'ai l'impression. Dommage. Tu es sûr que ça va, Boruto? Ça ne te ressemble pas. Je me suis trop lâché. Ne bouge pas, d'accord? Donc là, on a Sumire qui est en train d'asperger Boruto pour soigner ses blessures. Petit passage que les fans de Sarada et Boruto n'aiment pas, je suppose. Enfin, moi, personnellement, il n'y a rien de spécial ce passage, donc ça va. C'est les fans de Sumire et Boruto qui doivent être contents. C'est cool ce truc. Non, c'est quoi ce truc de la mousse? C'est aussi une nouvelle du professeur Katasuke. Il augmente la capacité d'auto-guérison du corps. Ça crée un film qui recouvre la plaie. Ouais, nouveau outil ninja pour les soins, d'accord. Donc en fait, maintenant, c'est comme si on avait des super potions ou des potions à la Pokémon et on fait pchit et tout va bien. Délégué, tu as l'air de faire confiance au professeur Katasuke. Oui, j'ai confiance en lui et je le respecte. Mademoiselle Akita aussi. Je le respecte. Et donc là, Boruto est en train de regarder un panneau où visiblement il y a la tête du professeur Katasuke et il y a juste marqué la science est en quête de vérité. Les scientifiques sont là pour soutenir les hommes. Katasuke Tono. Donc c'est lui qui a dû écrire ça. Bof! Hé, viens par ici, Shamaru! Ok.
Donc là, théoriquement, le nom Chamarou me fait énormément penser à Camarou. Donc voilà, ça me rapporte encore Akiba, mais c'est peut-être juste la fin de prononciation qu'on donne aux chiens au Japon, je sais pas. Hein, t'es pas farouche, toi. Et attends, la patte, elle est. Donc là, Boruto s'aperçoit que la patte du chiot est comme celle d'Ao, et il a une prothèse à la jambe. Viens, Chamarou. C'est un chien ninja de ma famille. Ok. Donc, en fait, c'est juste un lien avec la famille Inuzuka. Il a perdu une patte aux suites d'une blessure lors d'une mission. Mais pour un chien ninja qui combat, c'est fatal. Moi, j'étais déjà contente qu'il soit en vie. Mais Shamaru avait l'air triste. Un jour, le professeur Katasuke a eu vent de notre situation et il m'a contacté. Et il m'a dit, on va créer une patte qui le soutiendra en tant que chien ninja. C'est un joli passage, je trouve. C'est vraiment. Voilà ce qu'il m'a proposé. Après ça, je suis devenue son assistante. Ouais. Donc on voit que Boruto commence à plus ou moins changer d'avis et il se dit que Katasuke n'est pas forcément une mauvaise personne. Lui, Shamaru est encore en vie, en forme, qu'avant sa blessure. Pour les faibles, les personnes qui ont perdu une chose précieuse, et il est la lueur d'espoir qui pourra leur faire recouvrir le sourire. Je crois que c'est la science pour le professeur. Que c'est ça la science pour le professeur. Ninja, peut-être que tu ne les apprécies pas, pourtant vous avez la même envie de soutenir les autres, le professeur et toi. Tu veux bien accepter cela? Boruto, que dis-tu de ça? Si. Il faut le tenir comme ça, tout en appuyant sur le bouton blanc avec le pouce, tire la gâchette avec l'index, fais attention, c'est dangereux. Donc là, je vais vous passer à la suite pour pouvoir vous expliquer tout en détail. Appuie sur le petit interrupteur, enfin la petite gâchette, et l'objet qu'il avait, l'outil ninja, se transforme en une espèce de sabre laser à la Star Wars. Alors moi je ne suis pas une fan de Star Wars, mais c'est exactement ce à quoi ça m'a fait penser au premier abord. Et Katasuke rétorque avec ce sabre, utilise ton propre chakra comme lame. C'est la lame, le sabre chakra. Ça me fait aussi penser à la lame de Mirai Sarutobi, qui d'ailleurs on va voir dans le prochain épisode de Boruto en anime. Parce que sa lame, c'était une lame de chakra, enfin la lame de son père, et là c'est le sabre chakra. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Boruto qui est très impressionné. Pour le ranger, suit les étapes de tout à l'heure. À ce stade, ce sabre consomme beaucoup trop de chakra, ce n'est pas très conventionnel. Quoi? On ne peut pas l'utiliser? Ah, je vais y travailler. Vous savez, professeur, cette prothèse, le bras de papa, c'est un bras très précieux. Il protège le village et nous protège tous. Alors, essayez de faire en sorte qu'il soit aussi classe que ça. Oui, tu peux compter sur moi. Donc là, Boruto qui visiblement a compris que les outils ninja n'étaient pas faits pour être mal intentionnés, mais ils sont là pour aider les ninjas. Et ça, Boruto vient de le comprendre grâce plus ou moins au chien qui a une prothèse à la jambe. Et à Akita qui lui a expliqué ce que le professeur a fait pour elle. Excusez-moi, il y a un appel téléphonique pour Boruto, c'est le 7e. Donc Boruto qui va décrocher bien évidemment. Allô papa, c'est moi, tout le monde t'écoute. C'est toi Boruto, je veux te parler de Konamaru. Qui est en mission près de la frontière en ce moment. En fait, on est sans nouvelles de lui depuis un moment. Quoi? Ce coéquipier Mugino est avec lui, mais on ne sait pas s'ils vont bien. Non, notre professeur ne peut pas. Vous êtes les membres de l'équipe la plus proche de l'endroit où il se trouve. Vous êtes capable d'y aller? Évidemment, on en est capable. Bien, dans ce cas, Boruto, Sarada et Mitsuki, interrompez votre mission actuelle et partez à la recherche de Konamaru et de Mugino. Entendu. Ne commettez pas d'imprudence et
et le risque semble être trop important, attendez l'arrivée des renforts, analysez bien la situation et agissez avec calme. En sait tout, tu peux compter sur nous. Et Naruto qui raccroche. J'ai bien aimé la conversation là, très franchement, j'ai trouvé fluide et très intéressante. Donc visiblement, Naruto s'inquiète pour Konohamaru et son coéquipier. Vu qu'on les a pas vus depuis le chapitre précédent, ils nous font poireauter jusqu'à temps que Boruto les rejoigne, mais je trouve que c'est pas plus mal. Et Boruto qui a répondu plutôt calmement, plutôt avec de l'intérêt à son père, comparé à toutes les autres fois. Donc ensuite on retrouve Naruto avec Shikamaru donc dans leur bureau qui a accroché à Boruto. Je comprends ton inquiétude, mais maintenant que tu les as missionnés, tu dois leur faire confiance et ne plus. Ce ne sont plus des aspirants ninjas, ils savent ce qu'ils ont à faire. Boruto, je sais, Boruto et son équipe sont véritablement forts et je ne m'inquiète pas pour ça. Mais, tu penses à Kara, il a une forte probabilité que ce soit eux. Donc là, c'est Sai qui parle. S'il s'agissait d'une panne ou d'un problème de réseau de leurs appareils de communication, ils auraient contacté par un autre moyen. Ces deux ninjas supérieurs expérimentés sont dans une situation telle qu'ils ne peuvent même pas le faire. Un vaisseau d'origine inconnue dont on ne connaît pas l'objectif a soudain fait irruption en passant outre le réseau de protection aérien du pays du feu. S'il ne s'était pas écrasé pour une raison qu'on ignore, personne n'en aurait jamais rien su. Tous les pays affirment qu'ils ne connaissent pas ce vaisseau. Les Kage des quatre villages sont d'accord. Même pour notre village, un chantier naval d'envergure aurait été difficile à gérer. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que ces types sont capables de se procurer un vaisseau doté d'une dernière technologie sans que personne soit au courant et qu'ils sont nos ennemis. Par moments, la conscience sauve des vies et d'autres, quelle sera l'issue de cette nouvelle mission? Donc voilà, le chapitre de Boruto est terminé et le prochain sortira le 25 décembre. Donc là, il se doute que ce sont des adversaires redoutables et qui ont la technologie supérieure peut-être à celle de Katasuke. Boruto qui s'est remis en question et qui commence à savoir à trouver que les outils ninja ne sont pas si mal que ça et qu'il aime visiblement le sabre. De toute façon, on sait bien que vu dans le prologue de tout début de Boruto du tout premier chapitre, les trois premières pages, on voit bien Boruto utiliser un sabre, il utilise un sabre, mais un vrai sabre, pas un sabre en outil ninja. Donc visiblement Boruto serait bien attiré par le maniement du sabre comme Sasuke qu'il a utilisé depuis Shippuden. Donc voilà, un chapitre plutôt intéressant. J'aurais bien voulu savoir si la fille Inuzuka ce serait la copine Akiba, mais visiblement je ne pense pas. Ils n'en parlent pas plus que ça. Je pense que sinon il y aurait une petite allusion à Akamaru. Genre le petit chien ça aurait été son fils, ça aurait pu être sympa, mais bon visiblement c'est pas ça, c'est simplement quelqu'un de son clan. En tout cas j'ai bien aimé cet épisode, alors pourquoi j'ai mis un bonnet si jamais vous vous posez la question, tout simplement parce qu'on est en période de Noël, il reste quelques jours avant Noël, donc je pense que sur les prochaines vidéos que je ferai avant Noël j'aurai le bandeau sur la tête, enfin le bonnet sur la tête. Donc voilà, j'espère que ma review vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.